demande son attention à l'ordre, à l'ordre, à l'ordre. C'est comme ça qu'on fait ça? C'est ça, monsieur. Ça fait très bien ça. Alors, Evelyne a vu passer sa mère, 27 ans de service. Deux de ces mères-là ne sont plus avec nous ce soir, dont M. John Sleet et M. Raymond Rebillard. Par contre, nous sommes chanceux d'avoir quelques mères ici, dont notre doyen qui est Winston. Alors, Winston, toi, tu as connu... Alors, je te demanderais de venir ici et nous faire part des anecdotes. Merci, Michel. Bon, what to say? Yeah, what to say? After 27 years and how many different situations you've solved and resolved, I can remember people coming through the door, you know, the guy's coming through and he's using language that the air is blue. You know, he's this high off the floor, and 15 minutes later, yeah, it's perfectly calm. Evelyn has had a talk with him. Everything is under control. Many, many cases. I can think of one particular case. Yeah, but where Evelyn has certainly more strength than Susan. In this case, one day we're in the town hall and a man comes through the door holding his finger, his hand. He's had a finger cut off. Susan immediately hits the floor. He was gone. But Evelyn was very solid, very stable. Anyway. Oui, c'est ça. Pas du sang, moi. J'ai travaillé pour un dentiste, donc je connais le sang, ça ne me faisait pas peur. Pour un médecin, j'étais secrétaire au centre. Donc, du sang. Et j'avais vu ça déjà. C'est moins sensible, peut-être. J'avais cet avantage-là, Suzanne. Now, a lot of things have changed, too. I'm from an era that was a different era when. You had more contact with the people and so on. There were, you know, Evelyn, I'm sure, recognizes all the changes that have taken place. The one thing I will say, though, very seriously, the municipality has been very, very lucky to have a receptionist like Evelyn, who has done an excellent job all these years. And if you talk to the public, they have great, great respect for you. And, I think the council should have passed a bylaw making non-retirement up until 94 at least, so it could have continued. Anyway, it was a pleasure for me to work with you, and a real pleasure, and I thank you very, very much for all your support when I was in office. Thank you. Thank you, Winston. Alors, Peter, je crois que tu étais le maire après M. Brisi, après M. Rebillard, donc une anecdote, s'il te plaît. Bonjour, Evelyne. Bonjour, tout le monde. J'ai toujours le plaisir de suivre Winston. Donc, des anecdotes, on est supposé de donner des anecdotes et d'habitude j'en ai beaucoup, mais cette fois-ci, j'ai dit, juste pour faire un peu la différence, c'est un peu plus sérieux, puis je pense que Winston l'a déjà touché, donc je vais continuer dans le même thème. Quand je pense à Evelyn, quand j'étais maire, merci beaucoup pour tout votre support, mais aussi chaque fois que je rentre à l'hôtel de ville, pour moi, Evelyn représente Sutton. OK? Dans deux sens, dans son caractère, et là, m'excuse, mais je ne veux pas l'oublier, ça, je vais le lire, hein? Que conscientious, gracious, fier, incontournable, OK, et un sens de right and wrong, okay?
Puis, je suis très sérieux avec ça parce qu'on a, on a souvent travaillé. Et ça va m'amener à un peu l'anecdote parce qu'elle a aussi représenté, à mon avis, les citoyens de Sutton d'une façon... elle l'amenait à l'hôtel de ville. Comme exemple, il y avait un moment donné, c'est à peu près peut-être le mois de novembre, on reçoit une lettre, c'était dans la période que la province repoussait beaucoup de dépenses vers les municipalités, puis tout le monde essayait de composer avec ça. Puis au niveau de la MRC, on recevait beaucoup de factures partagées de la MRC qui tombaient sur les municipalités comme la nôtre et West Bolton qui avaient une certaine richesse. Donc, j'étais bien frustré après deux, trois réunions de budget. J'arrive ici, on reçoit une lettre disant que la ville de Coinsville ont tout changé la façon que on va laisser permettre aux gens d'aller à les services communautaires de Coinsville, la patinoire et la piscine. As I am, always am, I got all in a lather. I said, that's it, I've had it, no more, we're not paying anything if that's the way they want to be. And that felt pretty good. So then I went and I found whatever counselors I could find, and I told them that, and they were pretty easy to excite, so they got excited. Then I felt so good that I ran through the back door, got Kenny Hill out of the town, and got him excited. So we're all convinced that that's what we're going to do. No more money for Cownsville, that's what the way is going to happen. And to heck with them. Cannot thank you. Très tranquille. Une vingtaine de voix. Regarde, si tu fais ça, il y a à peu près une vingtaine de familles qui vont pas être en mesure d'envoyer leurs enfants au hockey. Il y a 9 femmes qui vont toujours à la piscine chaque lundi, puis ils vont pas être capables d'aller. Puis peut-être c'est vrai penser à ça. We negotiated a new deal with Cownsville. Et c'est vraiment la mémoire, comme je dis, de vraiment rester et représenter. He really represented a point of view of the people of Sutton and brought it every day to town hall. And a lot of times, our council, I'm not going to be saying, but our council sometimes overlooked that. And you, in a very polite, gentle, forceful way, reminded us that there's other points of view. Well, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir hein, de travailler avec toi. Et je souhaite une retraite magnifique. Alors, Kenil et Pierre ne peuvent pas être ici ce soir parce qu'ils ont d'autres engagements, mais ils sont là. En pensée. J'inviterai maintenant à Louis à venir dire quelques mots sur des anecdotes qu'il a vécues. Evelyne, je ne savais pas qu'il fallait penser à des anecdotes, mais je voulais quand même, je me suis pris à matin, je me suis assis, j'ai réfléchi, mais une de mes amies. Et puis bon, alors là, j'ai vu ce que j'avais mis sur papier, puis bon. Alors quand j'ai reçu l'invitation pour la défense du Barbeau, bonne décision, pendant presque 3 décennies, la voix qu'on entend la première en appelant à l'hôtel de ville de Sutton, c'est Evelyne. C'est pas Madame Bourgeois, c'est Evelyne. Les gens, ils appelaient à l'hôtel de Sutton, puis je l'entendais quand je faisais mon ancien travail, courtier. Les gens disaient, oh oui, j'ai appelé à l'hôtel de ville, j'ai parlé à Evelyne. Personne ne savait ton nom de famille. C'est Evelyne. Alors, ça, c'est représentatif, ça, de qui tu es. Puis, je l'ai écrit, là, pour m'en souvenir, là, une voix féminine, accueillante, rassurante. Toujours de bonne humeur, toujours prête à aider, à répondre à tes questions, à trouver la solution. Lorsque j'étais maire, je le disais souvent à mes collègues élus,
Les employés de la ville de Sutton sont tous de façon très large, en ça, pour les citoyens, les visiteurs, nos ambassadeurs. Les gens arrivent ici, ils ne connaissent pas personne, puis ils rencontrent Evelyne, ou ils appellent, puis ils parlent à Evelyne. Alors, tu as fait ça à merveille, ce rôle-là. Puis, pas seulement toi, mais nos autres employés, nos cols bleus, Suzanne, tout le monde, vous représentiez Sutton. Et toi, là, tu es à la première à 9 ans. Et des fois, ça n'a pas toujours été drôle, je le sais, j'ai entendu parler. Bon. Alors, comme Peter dit, Evelyne fait partie de la mémoire de Sutton. Combien de fois que je cherchais quelque chose ou un nom d'une personne? Là, je me pose, moi aussi, bon, tu peux m'aider avec ça. J'allais voir souvent Suzanne, mais Suzanne a été occupée. Alors là, j'allais voir Evelyne. Elle dit, viens me voir plus tard, viens me voir plus tard. Alors là, j'allais voir Evelyne, puis souvent, elle avait la réponse. Finalement, ma chère Evelyne, avec beaucoup d'amitié et de respect, je te souhaite une très bonne année, une bonne retraite. On sait que la famille Larivière, vous avez des très bons gènes. Tu vas être avec nous encore longtemps. Alors, bon, c'est ça. Alors, Evelyne, moi, je t'ai connue pas tellement longtemps. Mais une chose est certaine, c'est avant que quelqu'un appelle, j'allais toujours voir Evelyne pour avoir ce que j'appelle son pedigree. Ça veut dire son pedigree, c'est comment je vais m'adresser à ce citoyen-là et à quoi je peux m'attendre de la part de ce citoyen pour ajuster mon discours en fonction. Et tu as toujours été comme l'étoile polaire, tu m'as toujours guidé dans la bonne direction, et pour ça, je te remercie. Maintenant, je sais, là, pendant 27 ans, tu as laissé ta marque sur la ville de Sutton. Et tout récemment, tu as vraiment laissé ta marque sur un camion de pompiers. Je te remercie pour ça. Ben là, tout le monde le sait. Alors... Alors... ceci étant dit, tu dois avoir quelques anecdotes à compter, alors... Ah, les anecdotes, comment dirais-je, ça fait partie de tous les jours. Mais... Oh, pauvre France, hein? France, je pense qu'on a écopé des bacs de recyclage. Puis quand j'ai vu les bacs de compostage, je me disais, oh non, c'est pas vrai. Je suis rendue aussi loin. C'est sûrement parce que vous étiez tous des compagnons, des compagnes de travail agréables. Sinon, j'aurais jamais fait aussi d'années, je suis certaine. Alors, je pense que j'avais un bon support de vous tous. Et c'est grâce à vous si j'ai fait 27 ans, sûrement. Alors, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont préparé cette fête. Parce que c'est vendredi soir, c'est la fin de la semaine. C'est un gros chèque. Tout le monde... Wow! Let's go shopping! Ah, la belle Aslan a fait son enquête! Merci à vous tous. Je pense qu'il y en a peut-être qui avaient d'autres obligations. Je leur remercie infiniment parce que quand j'ai eu vendredi soir après la semaine pénible de certaines personnes, des grosses semaines, on a nos petites familles et d'autres obligations. Alors je les salue tous. Et merci. Alors, je pense que les gens du syndicat là-dedans, j'imagine,
Oui, ça c'est les gars de la voirie. Bien, merci à tous. C'est très, très gentil. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Et comment dirais-je, on va souhaiter à tout le monde une belle continuité, aussi bonne que, et aussi heureuse que moi j'ai pu, pu me permettre toutes ces années. Alors, merci à tout le monde pour tous vos belles, vos bons vœux et votre belle, comment dire ça, vos belles, vos cadeaux, vos bons souhaits. Merci infiniment. C'est gentil. J'apprécie beaucoup. Et je vous dis au revoir. Il va y avoir un petit album souvenir de photos puis de vidéos aussi. Oh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Beau cadeau. Merci, Pierre. Merci. Alors, j'imagine qu'il y en a, vous êtes rendu au dessert. On y va. C'est vendredi. Ceux qui sont des mangeurs de dessert, peut-être que... Est-ce qu'on... Dessert? Margaret? Ouais, dessert. Mais non, tout le monde! Mais Margaret, je pense plus à Margaret, parce que Margaret et moi, on a deux semaines de différence. Margaret, elle a deux semaines de plus que moi d'ancienneté. Alors, c'est pour ça que je pense à Margaret plus. Puis nous, on prend nos pauses ensemble, on fait vite nos pauses ensemble, mais... Toutes et chacune, Christine, Suzanne, sans tout ce support-là, je pense que probablement je n'aurais pas fait 27 ans. Je pense qu'avec tout ce beau monde-là, ça permet de continuer. Merci, c'est gentil. Alors, on y va, les becs sucrés. Qui les amateurs de chocolat et de vanille? On y va. Estelle, ta première, qu'est-ce que tu veux, chocolat ou vanille? Moi, je ne veux pas de coin. Pas de coin parce qu'il y a trop de sucre. Parfait. Il y a trop de crème. Parfait. Alors, on va commencer ici. C'est la vanille, c'est ce que je peux voir. On y va ici?